Donc, salut les filles. Aujourd'hui, en fait, on veut parler d'un poids idéal. La dernière fois, j'ai fait une capsule sur le corps idéal, mais là, je pensais que c'était vraiment bien de vous parler de c'est quoi un poids qui est l'idéal. Parce qu'on a mis beaucoup de photos sur Facebook, on voulait voir les commentaires, et c'est un peu varié les commentaires, c'est sûr. On a mis beaucoup l'emphase sur des photos de compétition. Là, c'est sûr que en vraie vie, on n'est pas à ce point-là tanné, on n'a pas autant de maquillage, tu sais, on n'est pas. C'est sûr qu'il y a une côté d'exagération, ça, je peux comprendre. Mais on a mis une vidéo, ben en fait, excuse-moi, on a mis une photo de moi avec les autres compétitrices, donc la photo des quatre. Et on a mis Anne-Josie, dans le fond, une autre compétitrice qui est sous la charge de Maxime Saint-Onge. Et elle est dans une autre compétition catégorie, c'est du fitness model. Moi, je fais du figure, donc c'est un petit peu plus musculaire. Donc, je m'attends à ce que c'est pas toutes les femmes qui veulent ça, c'est comprenable. Mais Anne-Josie, c'est une fitness model qui est normalement un corps qui est recherché partout, dans le sens que si on prend une revue, c'est vraiment là où est-ce que la revue du sport, la fille qui est sur le cover, si je peux dire, dans le fond, c'est elle qui va avoir l'air de ça. C'est une catégorie où est-ce que c'est un physique qu'on recherche pas trop musculaire, quand même un petit peu défini, donc raffermi, pas trop de gras, mais quand même une quantité de gras comparativement à ma catégorie. Donc, c'est comme un petit peu moins exagéré que qu'est-ce que moi je fais. Mais pourtant, les commentaires, c'est encore qu'elle est trop musclée ou est trop mince, etc. Mais connaissant Anne-Josie, son poids est dans la normale, c'est-à-dire que son indice de masse corporelle, son IMC, est entre 18,5 et 24,9, ce qui est le poids normal. Un poids qui est extrêmement bas, c'est un IMC de 18,5 et plus bas. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui est santé, etc. Faut savoir discerner. C'est sûr, quand on regarde une photo de scène, c'est aucunement pareil que quand on se regarde en vraie vie. Donc, ce qu'on veut savoir un peu, c'est de savoir c'est quoi qui est normal pour vous? Est-ce que vous voyez que plus de courbure, c'est quelque chose qui est plus tolérable, quelque chose comme ça? Ou est-ce que vous voulez vraiment avoir le plus mince? Parce que on pose la question encore, on vous demande en fait c'est quoi les muscles que vous voulez travailler, qu'est-ce qui vous achale le plus? Puis tout le monde va dire, mais c'est le ventre, je veux raffermir mes cuisses, je veux être dans le fond plus forte du haut du corps, etc. Toutes vos réponses se rassemblent à la photo de Anne-Josie. Fait que quand on a mis cette photo-là, on s'est dit, ah, qu'est-ce que c'est ça le physique que les filles vont rechercher. Encore là, on ne l'a pas trouvé. Donc, on va continuer à mettre des photos, c'est sûr. Nous, on veut voir votre opinion, que ça soit positif ou négatif. Écoute, je sais qu'on va jamais plaire à tout le monde, ça, c'est normal. Peut-être qu'il faut sortir un peu de la zone de compétition. La raison, c'est qu'on a beaucoup de photos, évidemment, de moi, mais aussi des compétitrices avec lesquelles que je compétitionne dans d'autres catégories. Donc, en fait, un poids que vous voulez avoir, rassurez-vous, si on dit, oh, faut que je perde du gras, faut que je perde du poids, mais vous partez à combien? Tu sais, j'en connais beaucoup de filles qui sont souvent insatisfaites de leur poids, mais dans le fond, leur IMC, ils sont à 20, 22, ce qui est quand même dans la catégorie plus basse d'un poids normal. Donc, tu sais, c'est peut-être, OK, oui, vous avez plus de gras. Vous voulez raffermir. Fait que côté le niveau de la balance, mais ce que vous voulez avoir, c'est que vous voulez perdre du gras, mais techniquement, vous voulez prendre un volume musculaire pour raffermir. Et dans le fond, vous êtes encore dans le même IMC. Donc, c'est super important de comprendre que le poids, c'est pas toujours ça qu'il faut se fier à. Je prends comme exemple mon copain qui est un culturiste. Donc, lui, techniquement, c'est un pré-obèse. Mais il est aucunement gras. C'est juste parce qu'il y a un bon volume musculaire. Fait que pour une femme, c'est un petit peu moins commun, là, parce qu'on ne peut pas aller chercher des gros niveaux de masse musculaire. Mais tu sais, c'est quelque chose à saisir dans votre tête. C'est de pas toujours se fier à votre balance. C'est sûr que le physique, ce qu'on voit, c'est important, mais c'est sûr que quelqu'un qui est super mince peut avoir un haut niveau de pourcentage de gras parce qu'elle n'a pas beaucoup de masse musculaire. Donc, moi, je préfère personnellement que
tout le monde soit vraiment en forme. En forme, ça veut dire que vous avez une bonne quantité de masse musculaire active. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'air de les grosses épaules, etc. Mais qui vous soutient, qui vous garde actif, qui vous donne plus d'énergie et un plus bon niveau de gras pour vos artères, etc. Donc, dans la deuxième capsule, moi, je vais vous parler encore un peu du poids. C'est quelque chose, c'est la balance, etc. Les filles, on est tout le temps axées sur cette balance-là. Je vais vous donner des trucs, des choses qui peuvent vous changer un peu votre mentalité envers cette fameuse balance que moi, j'aime aucunement non plus. Donc, je vous reviens à tout de suite.